C'est simplement un métier qui apprend à réfléchir, à calculer et à vraiment à faire de très très belles pièces. Si encore ça peut se faire aujourd'hui dans certaines entreprises. C'est ce que je disais, c'est parce qu'à chaque fois, on me demandait des compétences que je n'avais pas. J'avais des lacunes pour faire par exemple des développements, des calculs, des traçages, des lectures de plans, la soudure aussi. Et donc petit à petit, je me suis approché de la chaudronnerie. Et j'ai jamais. Et, enfin, c'est pas pour dire que c'est un super métier, mais si, c'est un super métier. Ce qui m'a surpris surtout, c'est ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans la chaudronnerie, c'est tout ce qui est la lecture de plan, le dessin, le traçage, il faut être vraiment précis. Et ensuite, après, le travail manuel, c'est vraiment c'est du 50-50, quoi, c'est travail manuel et dessin à côté. Donc, pourquoi je me suis lancé en chaudronnerie, c'était pour faire des pièces moi-même et être fier en fait de mon travail, de voir ma pièce à la fin, du début à la fin. C'est en fait, je voulais faire vraiment quelque chose de mes mains, je voulais vraiment savoir où mon travail me menait. Dans d'autres travails, on fait que partie d'une petite, d'un petit échelon, donc on ne voit vraiment pas où notre travail finit. Quoi. Donc là, au moins, on voit vraiment de A à Z notre travail. Tout à fait. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On est quand même en 2020, oui. Il y a des super machines. Alors, les machines sont plus automatiques quand même. Il y a moins c'est physique, mais c'est beaucoup pas physique, moins qu'avant. Quoi. Comme à l'époque, on n'est pas à l'époque des Romains. Maintenant, on a des palans, on a des grues pour porter des trucs lourds. Les plieuses numériques, enfin les plieuses électriques. On a beaucoup de choses qui sont automatisées, parce que c'est le monde qui le veut aujourd'hui, quoi, beaucoup de choses électroniques. Et voilà, et ça permet justement d'être en accord avec le monde, on va dire, ancien et le monde futur. Voilà. Autant dans la qualité.